Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kerry. Quelle joie de vous retrouver ce matin pour un moment de partage, de louange, de prière ensemble. Merci de votre fidélité. Et envoyez-moi l'endroit d'où vous êtes, le pays, la ville, et surtout vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors, on démarre avec ce merveilleux chant. Oh, combien Dieu est grand. Alors, on va élever son merveilleux nom encore une fois ce matin. La petite flèche pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, le roi dans sa beauté. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Chapitre 4, verset 19, il faut prendre l'habitude de lui dire qu'il est digne au-delà de tout. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, on va lire le verset dans 1 Jean 4, 19. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ah. Et ce petit verset est la réponse au pourquoi nous adorons, au pourquoi nous chantons, au pourquoi nous prions, au pourquoi nous communions, et au pourquoi nous venons entendre la prédication. En fait, c'est Dieu qui crée les opportunités
pour nous d'expérimenter son amour. Je répète ça, c'est Dieu qui crée les opportunités pour nous d'expérimenter son amour. Il voudrait tellement que nous saisissions son amour pour nous. Et il veut que nous sachions qu'il est près de nous dans nos moments de tempête et que tout ce que nous avons besoin se trouve en lui. Tout ce qu'on a besoin se trouve en lui. Il est là, toujours prêt à déverser, toujours prêt à entendre et toujours prêt à intervenir, si vous voulez. Alors réalisons que l'adoration est simplement une réponse à son approche. Lorsque nous exaltons le nom du roi des rois, c'est simplement une réponse à son approche. Ce qui intéresse Dieu plus que nos performances religieuses, ce qui impressionne Dieu plus que nos belles paroles et plus que nos chants, c'est notre réponse à nous approcher de lui, à nous approcher de sa majesté, à nous approcher de sa beauté, de nous approcher de sa créativité et de son amour pour nous. Oh, qu'on est des privilégiés, nous sommes des privilégiés. Répète-le avec moi, nous sommes des privilégiés. Alors comment devons-nous répondre selon les Écritures? En reconnaissant au travers nos chants qu'il est amour. Il est amour, qu'il est bon, qu'il est souverain et il est le seul digne d'être loué, le seul digne d'être élevé, le seul digne d'être exalté. Vous savez, d'exalter Dieu, ça veut dire d'outrepasser nos émotions et de faire ce que dit la parole. Dans le psaume 107, verset 1, « Louez l'Éternel car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement, sa bonté dure éternellement, c'est celui que nous louons. » Alors, lorsque nous venons avec reconnaissance pour ce qu'il a fait et que nous répondons avec nos louanges, nous alignons nos émotions et nous alignons nos pensées avec ce qui est vrai, avec ce qui est authentique. Et nous devenons de ce fait même davantage conscients de sa proximité. Et lorsque nous nous abandonnons dans l'adoration et que nous l'exaltons, Dieu nous donne quoi? Nous donne sa paix. Car pourquoi? Parce que nous enlevons le centrer sur nous-mêmes pour le focaliser sur lui. Et c'est là qu'il intervient. C'est là qu'il vient, qu'il intervient dans nos vies. Alors prenons l'habitude de lui dire qu'il est digne et qu'il est au-delà de tout pour nous. Alors, et je reprends ce verset de ce matin, « Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier et c'est lui qui a fait les premiers pas, c'est lui qui a, si vous voulez, il a tout fait pour que nous puissions communiquer avec nous, que nous puissions avoir cette relation avec nous, pour que nous puissions être, encore une fois, connectés en donnant son Fils pour cette reconnexion spirituelle avec lui, avec Dieu. Alors, merci ce matin de réaliser cela davantage, que Dieu nous a aimés le premier. Et ça fait toute la différence pour notre vie. Et c'est un Dieu qui nous aime, c'est un Dieu qui est à notre poursuite continuellement et qui veut nous amener à bon port, comme on dit. Alors, on va prier si vous voulez bien, ce matin. Alléluia. Seigneur, nous prions pour Stéphane, qui combat un cancer depuis 20 mois. Seigneur, merci d'intervenir surnaturellement dans le corps de Stéphane. Merci de le guérir, de le restaurer, de le relever surnaturellement. Déploie ta puissance de guérison et du miraculeux sur lui. Seigneur, nous prions pour Lisanne qui s'est fait opérer à sa jambe à cause d'une brisure. Elle a fait une chute. Seigneur, merci de la guérir et qu'elle puisse être relevé surnaturellement. Seigneur, que sa jambe
redevienne comme tu l'avais créé. Merci Seigneur de poser ta main sur les âmes. Merci pour Rebecca qui a des soucis de santé ainsi que son bébé, que tu enveloppes de tes bras d'amour et que tu guéris, que tu relèves. Pose ta main sur Rebecca et son enfant. Merci pour Sonia qui s'est brisée des côtes suite à un accident. C'est très douloureux, Seigneur. Alors merci de la guérir, de la relever. Enlève toute douleur et guéris ses côtes surnaturellement. Merci pour Dorothée qui, afin de la guérir de ses allergies. Merci pour ta fidélité envers Dorothée. Merci pour Wilfrid qui a été testé positif suite à la COVID. Seigneur, alors merci de le guérir, de le relever et aucune conséquence grave à cette infection, Seigneur. Seigneur, merci, nous prions. Je me joins à mon ami Paul Calzada qui, pour la prière pour les parents, afin que tu donnes sagesse, discernement, patience. Seigneur, qui doivent élever des enfants dans un monde tellement tourmenté aujourd'hui. Merci de ta fidélité envers eux. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les combler, de les diriger, de les accompagner. Je les confie entre tes mains, que ta bénédiction les accompagne. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien, combien Dieu est grand. Ton nom est tout puissant, digne de louange. Je chante. Une journée bénie, que Dieu vous accompagne. Demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.